Lorsqu'on fait des piqûres en courbe, y compris avec une machine à pied roulette, entraînante ou pas, ou une machine triple entraînement, tout ce qu'on voudra, à partir du moment où on réalise des courbes, je crois qu'on appelle ça le vamping en anglais, eh bien, la longueur de pointe va varier en fonction que la courbe elle est extérieure ou intérieure. D'accord? Il n'y a pas 36 000 solutions. Quelle que soit la machine, il faut faire point à point. C'est la seule façon d'avoir un point de longueur régulière. Okay? Donc, je fais une petite démo. Ok. Là, le changement de direction, je lève. Voilà. Hop là, j'ai fait une bêtise, hein, pardon. Je complique. Et là, je change de droite. Okay. C'est facilité par évidemment par le positionnement d'aiguille. Hein. Voilà. Donc voilà. Ici, la ligne faite en couture continue. Et là, la ligne faite point par point. Alors, hormis l'accident, là, quand mon pied a accéléré, là, on voit que le point est à longueur constante. Que l'angle soit entrant ou sortant. Voilà. OK? Voilà. Donc c'est point à point.